L'équipage en vol tactique est appelé à exécuter des actes élémentaires de combat qui s'inscrivent la plupart du temps dans la manœuvre de l'escadrille, élément tactique de base, capable d'obtenir un effet significatif sur l'ennemi. Par commodité, cette escadrille est organisée en patrouille de deux ou plusieurs machines pour en faciliter le commandement tactique sur le terrain et donner plus de souplesse au dispositif. Ces patrouilles seront placées sous la responsabilité de chef de patrouille. Noir 3, ici Kilo 5, à vos 1 heure pour 1 km 5 en lisière. Ici 3, visuel. Posé en ligne, 10 heures au sud. Sur vous dans 4 minutes. Ici 8 Québec, reçu, nous arrivons sur zone. Concorde 30, top. Ici, le chef de patrouille a un rôle difficile, puisqu'il aura à la fois à guider son équipage, à commander sa patrouille, à rester en contact avec son escadrille, voire à coopérer avec d'autres unités ou d'autres armes. Ici 3 Whisky, axe viable jusqu'à la coupure, pont intact au sud de 60. Ici 3 Whisky, situation. Ici 72, mise en place terminée dans 15 minutes. Reçu. Les premiers éléments ennemis sortent de 22 lignes terminées. Oui, confirmez votre heure de posée auprès de vos commandos. Je pense qu'il y a eu inversion en embarquement. Changement de mission. Vous récupérez 4 whisky en 60 à 15. Charlie plus 3 plus unité. Qu'est-ce qu'on fait là? Vous pouvez confirmer le top là? 07 par les. On verse par la droite ou on continue tout droit? Attends, attends, je stand-by, je rappelle le leader. Oui, vous pouvez le confirmer pour le top là, on diminue par la droite. Ici Québec Echo. Vous êtes à mes midi. À 56, c'est 6 kilos quand même. 4 whisky. Vous voulez que vous preveniez une minute avant le projet. Ventilateur ici Québec Echo. Je vous vois, vous êtes en plein dans mes midi. Répétez mes messages, j'ai été coupé par troupe au sol. Seule une bonne connaissance des techniques et des procédures lui permettra de prendre le recul nécessaire pour mener à bien sa mission. Bien que responsable de sa formation, le chef de patrouille n'en demeure pas moins chef de bord. Okay, on prend celui de droite. Non. Ne pas assumer pleinement ce rôle peut compromettre le déroulement de sa mission. Oui, voilà. Vous prenez celui de milieu, oui, c'est ça. Ok. Continue. Depuis Stralva de Vista 40, possibilité. Non, sur droite, oui, sur droite, 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 droite. Oui, voilà, c'est bon. Vous avez, que si vous voulez, 40, là, vous avez entendu? Oui, merde, c'est ça. Mistral 40 et Mistral 20, répétez votre message. Le chef de patrouille est responsable de l'articulation de sa patrouille. À 52 de 51, 3 blindés sortis sud-est de Plessis-les-Vignes vers le sud. Vous jalonnez le carrefour 332. Je me reporte, côte 425. Ah, ici 52, en mesure de jalonner 332. À midi 2 km pour 34 à partir du mamelon boisé au nord, pour 37 à partir de la ligne d'arme au sud-est. À 34, 37. Responsable de l'articulation de son dispositif, le chef de patrouille doit également pouvoir réagir aux situations imprévues. Les solutions sont souvent simples.
Encore faut-il connaître les possibilités de ses équipages et de ses machines et savoir exposer clairement et rapidement sa décision à ses subordonnés. Le chef de patrouille n'agit pas isolément. Son action est liée à celle des autres patrouilles au sein de l'escadrille, qui reste l'élément tactique de base. Le chef de patrouille doit donc également suivre l'évolution de la situation de son escadrille au travers des mouvements des autres patrouilles, afin de pouvoir réagir rapidement aux ordres de conduite de son commandant d'unité. Par sa vocation, la LAT est amenée à coopérer avec les différentes armes. Le chef de patrouille doit donc acquérir de solides connaissances interarmes. À midi, la forêt pour 10 km.